Salut tout le monde, c'est Azarad, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de Godus, encore une fois, je suis à fond dedans, comme toujours. Bon, la dernière fois on avait fait surtout du développement de la petite map de campagne, hein. Là ils sont en train de de taper là-dessus, là. C'est encore un totem, je crois que ça donne un pouvoir, je suis pas sûr. Il me semble que ça donne un pouvoir, là il y a un coffre, est-ce que je peux l'ouvrir le coffre? Ouais, nickel. Du bois, bon. Toujours bon à prendre. Bon, ils sont un peu longs là quand même. Si je leur donnais un peu de champ libre, voilà, comme ça. Bon, toi, tu t'es cassé la gueule, hein, forcément. Oh là, tu tombes. Et c'est dangereux, hein, le métier de constructeur. Et... Hop là, casse-toi la gueule encore une fois. Je vous le descends juste un peu. C'est tout. Toi, t'es un peu enterré là-dedans. T'es un peu enterré. Voilà, taper dessus, c'est bien, c'est très bien. Hop, voilà. Allez, pauvre gars. Voilà, c'est juste pour dégager un peu l'objet et le mettre au même niveau que les autres. Donc ouais, alors aujourd'hui, ce sera un épisode... on va s'atteler à la map, à la carte de campagne, hein, tout simplement. On va y aller de ce pas. Ah, on va gagner des joyaux. Alors, hein, learning so good, some for sure. Alors là, on va avoir des joyaux. Et d'autres cartes. On tape tout works hard. Qu'est-ce qu'ils disent? Pff, au pire, on s'en fout de ce qu'ils disent, hein, moi je dis. Ah, Valuta, N84, Living in my world. I want one. You'll be lucky. Bon, bref. Bref, N84. Ok, bah, c'est parti. C'est parti. Alors, on peut toujours mettre... on peut mettre x10. Alors, je sais pas trop. À mon avis, c'est encore une course minière. Je crois que quand on gagne du joyau, je crois que c'est juste de la course minière, donc si... Non, je sais pas, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est de la course minière, d'accord. Ok, on va se dépêcher alors. On va vite se dépêcher. Allez, développe, construit, manivoufion. Bon, ça va, ils sont un peu handicapés vu qu'ils sont deux. Nous, il y a plus de monde. Allez, voilà, c'est parfait. Alors là, il y a du minerai, je crois que le minerai, c'est partout là où il y a les trous, de toute façon. Hein. Ouf! Faut aller là-bas. Allez, développe. Oh, ça va aller vite, hein. Regarde. Oh, ça va aller très vite, ça. Ça va aller très vite. Maniez-vous un peu le fion, par contre. On en profite. Alors... on va attendre quand même. Oh, là, là. Bon, de toute façon, je vais me servir de tout ce qui est pouvoir pour les mettre à néant, de toute façon. Alors, est-ce qu'ils minent automatiquement? C'est parfait, ils sont en train de miner. Même quand je suis autour, en fait, ils sont en train de miner, donc c'est une bonne nouvelle. Ah là là, ils sont en train d'installer un totem. Je vais faire pareil, je vais mettre un totem. Pouvoir, s'il vous plaît. Place totem. Allez, on va mettre le totem. Ils sont là. Moi, je vais le mettre ici, hein, carrément. Hop, voilà. Comme ça, ils vont miner peinard. Moi, de toute façon, je vais me servir de... The Finger of God. Pour les foutre en l'air, les mecs. Tant que Lyon n'utilise pas de pouvoir divin, ça me va très bien. Allez, c'est bien, là, ça mine, là, c'est cool. Ça se passe très bien, là. C'est nickel. Par exemple, Finger of God. Ah, il me coûte que 1000 en plus. Il me coûte que 1000. Allez, hop. Merde, j'ai niqué un de mes mecs. C'est pas grave. Wow, j'ai pris la place... Nickel, j'ai pris la place, là. C'est cool. Je vais pouvoir construire un putain de truc. Allez. Faut que j'attende quelques minutes avant que... Par contre, j'aimerais bien qu'ils construisent quand même, quoi. Même si je prends de l'avance... On va désactiver le totem pour le moment. Allez. Moi, j'aimerais qu'ils construisent un peu. Allez, toi, remets-toi sur pied. Allez.
T'inquiète pas les mecs, ça va aller. Hop. On récupère des ressources. Là j'ai de quoi les foutre en l'air pour... Ouais, elle est trop facile cette map. Sérieux. Allez. Ah merde, allez encore une fois. Hop. Hop. Non, attends, je vais les anéantir comme ça, c'est pas possible. Ils sont pas sérieux là. Bref, de toute façon là je suis en train de prendre de l'avance à mort. Allez, hop, des ressources à crever. Bon là j'ai désactivé le totem donc... ils sont en train de miner et construire en même temps. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, ils savent se démerder. L'IA est bien foutue, ils sont pas dans leur baraque à rien foutre. Bon, hop, moi je vous emmerde. Moi je vous écrase la gueule. Eh, toi t'as rien à foutre là toi, c'est chez moi là. Voilà, c'est chez moi. Bon là j'ai gagné, hein. Là c'est gagné d'avance, hein. Je suis désolé. Mais... pas franchement. Wow, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un vieux bug. Ouais, je crois qu'il y a l'IA qui est en train de... Ah, tu peux pas y aller, bah t'es mort. Wow, comment je les envoie? Oh putain, trop bien. J'ai compris comment on fait. Comment on sert bien du doigt de Dieu. En fait, faut les balayer les mecs. Faut pas spammer clic, faut les balayer. Comme ça. Non, ça marche pas. Bah merde, ça avait marché là, il y a deux secondes. Bon, c'est pas grave. De toute façon, là, j'ai 31, joyeux-vous, ils en ont qu'un. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus facile, en fait. Enfin, je vais pas parler trop vite non plus. Je vais pas parler trop vite, hein, parce que... Allez, hop, ça se passe bien. C'est nickel. Franchement, ça s'est jamais passé aussi bien. Je trouve que l'épisode commence bien, là. Allez, il reste 3 minutes. 3 putains de minutes. Oh, vous êtes trop près, vous aimez pas. Quel camp. Moi, je dis vivement que j'ai un nouveau pouvoir d'attaque. On peut carrément invoquer des volcans et tout. Ça promet d'être... un truc de ouf quoi. Allez, toi sors de là. Ouais, les autres bâtiments. Bon, c'est tout. Ils sont à 9. Est-ce que je mets un totem? Je vais remettre un totem. Move totem. Hop. Activer le totem. Voilà, on va envoyer quelques mecs. Pour reprendre un peu d'avance quand même. Allez, hop, hop. Allez-y les gars. Prendre un peu d'avance. Je peux pas cliquer directement. Hop. Ah, je peux les faire chier en bouchant le minerai. Allez, moi je mine là-bas, vous minez nulle part. Hop. Toi aussi t'y vas. Allez, toi aussi t'y vas, tout le monde va miner là. On prend de l'avance les gars, on prend de l'avance. Même si là j'ai quand même beaucoup d'avance. Oh la vache, et qu'est-ce qu'il a l'IA là? C'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Go go go. Fais du monde, c'est bien, ça se passe bien. Allez, au travail. Au travail. Une minute. Ah, franchement, c'est finger in the nose, hein. Alors, bam, 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 bam. Toi, t'as bien volé, par contre. T'es pas mort. Il est pas mort. Par contre, vous... Non, tu mines pas ça, toi. Non, tu mines pas. Ah, je peux pas les enterrer. Ah, je peux pas les enterrer. C'est pas grave. Franchement, ce filon, là, laisse tomber. Ça, c'est du pur, tu sais, c'est... Je suis à 60 joyaux. Franchement, là, y a aucun souci. Allez, 40 secondes et c'est fini.
On va attendre, hein, puis c'est tout. Alors, on va regarder vite fait les sorts, tiens, en attendant. Alors, Beautify, bon, je sais pas trop à quoi ça sert. Ah, c'est peut-être pour récolter du minerai directement. Champion. À mon avis, c'est pour invoquer un truc. Statue d'exploration. Swamp, ça c'est des marécages, je pense. Meteor Strike, bon, ça c'est facile à savoir. Armageddon, on l'a déjà vu. Temple of Healing. Temple of Happiness. Statue de fertilité. Tremblement de terre. Tourbillon, je crois, une espèce de... je sais pas. Tornade et volcan. Bon, ça va, il y a déjà pas mal de sorts. Hop, c'est bon, c'est fini. Si ça, c'est pas une branlée. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Montre-moi. Champion! Quand on parle du loup, c'est nickel! Un putain de champion. 10 gemmes que j'ai gagné. Super. Encore de l'ocre. Hop, hop. Champion. Je veux voir le champion. Qu'est-ce que c'est ça? Sandstone. Ok, j'en avais besoin, c'est cool. Hop, champion. Alors, montre-moi voir le champion. Champion. Champion, je peux voir l'info. Alors, le McKnight and his follower et worship totem. Champion blessé de l'instinct strange of warrior and located in primitive age. Ok, d'accord. Donc, le champion, en fait, c'est tout simplement un gros guerrier, un boss, quoi. En fait, tu convertis un petit villageois, un petit pécor, en champion, seulement s'il est près du totem, par contre, que ça marche. Et ça ne coûte apparemment... Ah si, ça coûte 10 000 quand même, j'ai rien dit. J'ai cru que ça coûtait moins cher que ça. Bon. Après tout, c'est pas très très grave. Allez, on va enchaîner. On va essayer d'en faire un max. Et de pas trop rester sur... Ah oui, ta gueule, allez, c'est parti. Proceed. Ah, je peux que 6 apparemment cette fois. Ah, let's go. Il commence tout le temps avec 2. Ah, là c'est de la bonne carte. Alors là... Alors là, je dois dire, franchement... Ça va pas être compliqué. Là, ça va être la baston du siècle. Par contre. Là, ça va être la basse-ton. Alors, spam le clic. On spam le clic. Spam le clic. C'est bien, on continue. Je crois que là c'est une carte, ça va être bravarde. Attention, ça va chier. Là, la baston, t'inquiète pas, ça va y aller. Allez, faut aller construire. On sort les mecs, faut aller construire, faut aller construire. On va prendre de la ressource. Allez. On va enlever les arbres, il faut de la place. Tout simplement. Voilà, c'est parfait. Toi tu dégages, hop. On enlève les arbres, allez, allez. On s'en fout. Ça sert à rien les arbres. Guette bien la tendinite que je vais avoir demain matin. Force de cliquer, laisse tomber. Alors. Ah, faut laisser le temps en fait au clic de... De bien... Pourquoi il me fait moins 5 à chaque fois? Je sais pas pourquoi il me fait ça. Faut juste laisser le temps au clic de bien mettre à jour le terrain en fait. Hop, je clique, j'attends un peu. Plutôt que de spammer comme un bourrin. Ok, ok. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Par contre, ils sont beaucoup plus nombreux que moi, donc j'ai intérêt à me dépêcher de... me développer. Après, si je fais que des grosses maisons, elles sont un peu longues à se mettre en place pour créer des villageois. Du coup, elle me rapporte beaucoup de ressources en fait, mais elles sont longues pour créer des villageois pour construire, c'est ça le truc. Et ça me plaît pas des masques. Quoi. Je vais tenter le champion quand même. Le champion peut être sympa. Après, je sais pas si je réussirai suffisamment à récolter de ressources. Ah, hop, c'est bon. Du péon. Allez, ressources. Je pense que j'ai assez de place. Lui aussi se développe beaucoup. Là, ça promet une baston de taré. Hein.
Alors là, ça va chier, hein, je préviens. Là, c'est... Là, j'ai un terrain tranquille pépère. J'ai juste à l'agrandir. C'est un peu chiant à agrandir, mais bon. Là, laisse tomber. Voilà, comme ça qu'on fait. Allez, au boulot. Oh putain. Alors là... 28. 28, 28. Faut que je me développe encore. J'espère que je vais réussir quand même à... Putain, il me dépasse là. Il me dépasse, il reste 3 minutes là. Qu'est-ce que je fais là? Allez là, faut construire. Faut de la ressource, allez, 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 on se dépêche. On se dépêche, on se dépêche. Bon ça, je sais pas ce que c'est, cette espèce de terre morte, là. Franchement, si vous savez, n'hésitez pas dans les commentaires, hein. Ah, ils sont là, putain, j'avais pas vu. D'accord. Ah, ils sont là aussi. Ok, ils sont partout, en fait, les fourbes. Bon, ça vaut un petit doigt de Dieu, là, je crois, parce que ça commence à devenir dangereux. Finger of God. Allez. Encore. Encore, allez. Voilà. Voilà, ça a équilibré un peu la chose. Hein. Voilà, ça commence à devenir bon là, c'est cool. Ça commence à devenir bon. Par contre, faut que je regarde comment on fait le champion. Il faut que 5000, alors... D'accord, dans le... Ouah, qu'est-ce qu'il me fait lui? Et il fait quoi là? Non sérieux, il fait quoi? Il approche avec la montagne, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas me détruire mon village comme ça? Non sérieux, 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 qu'est-ce qu'il fait? Arrête, dégage, dégage! 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 What the fuck? Non, il est sérieux! Ah, il peut plus. Il peut plus. Il peut plus. Oh putain, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait me défoncer ma ville. En faisant un glissement de terrain comme ça, tu sais. Ah, ça va, il peut pas. Tu peux pas, connard! Moi je dis, putain, il me faut 20 000 pour l'Armageddon, ok. Il reste 1 minute, j'aurai pas le temps. Ah, c'est con, il y aura pas le temps pour la bataille, putain. Ça aurait été épique. Ça aurait été chouette, quoi. 50 secondes, alors, il y aura peut-être moyen. Allez, c'est parti. Chargé. Champion, par contre, il faut faire un totem, en fait. Pour le champion. Bah, le champion, on verra plus tard, hein, tant pis. Là, on n'a pas vraiment le temps. Je trouve que les parties sont quand même vachement courtes. C'est assez dommage. Allez, baston. Foutez-vous sur la gueule! Doigt de Dieu, doigt de Dieu! J'ai pas assez pour le doigt de Dieu. Putain, j'aurais fait un carnage. Sans déconner, j'aurais fait un carnage. J'aurais fait un putain de carnage. Je vais avoir assez, là. C'est bon. Je peux pas. Ah, je peux pas en Armageddon faire le doigt de Dieu. C'est que les disciples qui se battent. Ouais, c'est bon, c'est gagné. Voilà, nickel.
Bonne petite bataille qui finit bien. Alors, j'ai gagné quoi? Monte mi voile. Samson. The Samson Valor a joined your home world. Il préfère to live in the mountain. D'accord. Ah, le v'là. Il est juste là. D'accord. C'est un homme des montagnes. Bon, bah, je sais pas à quoi ça sert non plus, mais bon. Alors, j'ai trouvé du silex. C'est parfait. Quoi d'autre? Bon, de la viande, toujours bon à prendre. Et de la brique. Alors, le v'là. Qui, celui qui préfère vivre dans les montagnes. Bon. Il fait comme il veut. Hein. Il fait comme il veut. Alors, et si on s'en faisait une petite dernière? Une petite dernière. Quitte à ce que... Ah, je sais pas trop pourquoi je peux sortir les mecs. Ah oui, d'accord, c'est pour. On va voir ce que ça me donne, ça, plutôt. Normalement, là, ça devrait aller vite. Là, je peux sortir des mecs, ça devrait aller assez vite. Je pense. Ah, je crois que c'est pour étendre la zone de jeu. La zone constructible, en fait. Moi, j'aimerais bien étendre la zone constructible. Ah bah non, j'en ai un là, ça n'a rien étendu du tout. J'aimerais bien aller là-bas, moi. Il y a ce bâtiment-là qui m'intrigue, en fait. Bah, peut-être que ça va le débloquer, en fait. Peut-être que ça va débloquer celui-là, ce serait cool. Bah écoutez, je vais couper là, histoire d'économiser du temps. Et je vous retrouve tout de suite quand ça a été construit. Allez. Allez, tout le monde. Alors, ils sont toujours dessus, les mecs, là. Par contre, j'ai réussi à faire un champion. Le voilà. Le petit champion. Enfin, le grand champion. J'ai fait tout simplement un totem. Il y a des mecs qui sont venus. Il y a même le petit mec des montagnes. Et du coup, il y a un champion. Et il ressemble vachement au mec des montagnes. Donc, je me demande si ça influe pas... En fait, il y avait le mec des montagnes, là, celui qui est arrivé récemment, plus 3 mecs, et ils ont tous fusionné pour donner ça. Voilà. C'est la fusion de Dragon Ball version Godus. Ah, ça y est, ça a été construit. Donc apparemment, ça me donne une carte. J'espère que c'est l'extension de territoire. Nickel. Alors, est-ce qu'il me donne accès? Ah, d'accord. Il me donne accès ici. Oh, c'est un terrain de merde, ça. Qu'est-ce que c'est, ça? D'accord, il me donne accès jusqu'ici. Là. Ah, il m'en donne beaucoup quand même. Ah, il m'en donne pas mal. Est-ce qu'il me donne accès à droite? Oh, j'espère. J'espère qu'il me donne accès à droite. Ah, ça construit là. Hop, hop, hop. Allez. J'espère qu'il me donne accès à droite. Il y a un coffre? Deux coffres. Il y a deux coffres ici. Ok, de la sandstone, c'est nickel. Ensuite... du kindling. J'en ai pas besoin, je crois. Du kindling. Hop, dégage. Dégage aussi. Toi, tu t'embouches. Toi, tu dégages. Voilà, ça fait de la baraque à construire. Ah, j'ai toujours pas accès à ce truc. Je sais pas à quoi ça sert, et ça m'intrigue, franchement. Ce truc m'intrigue. Allez, on bosse. Là, il y a du boulot, quand même. Là, il y a du taf. Je vous cache pas qu'il y a du taf. Hein. Par contre, ça, le vieux truc... Là. Ce terrain-là m'inspire pas confiance, par contre. Ça me fait un peu peur, même. Ça me fait un peu peur. Est-ce que c'est pas une zone dans... Oh, il y a un coffre encore ici. Hop, allez. Encore du kindling, bon. Je sais pas trop à quoi ça sert. Enfin, j'en ai pas besoin pour l'instant, donc. Ok, allez. On va enlever toute la merde, là. Même si c'est un terrain dégueulasse ou je sais pas quoi, on va construire dessus. Hein. Ça sert à rien de. De perdre. De la place. On a de la place, on la prend, hein. Simplement. On va pas faire les fines gueules. Hop, ça c'est quoi ça? Des arbres. Des arbres, hop.
J'ai rien débloqué ici. Ah, c'est vraiment le terrain de merde, hein, j'ai l'impression. C'est vraiment le terrain pourri. Qu'est-ce qu'il faudrait... Comment faudrait que je construise ça, moi? Quand faudrait que je m'arrange? Ah, il y a pas mal de coffres. On va en profiter. Hop là. On va récupérer tous les coffres. Du coal. Nickel. Il manque plus qu'une pickaxe. Et comme il y a des coffres partout, à mon avis... De la mythe. Ok. Là, il y a quoi? Du flint. J'en avais besoin. C'est nickel. Hop, c'est bon. Ferme-toi. Pour enlever la pierre, hop. De toute façon, j'enlèverai un jour ou l'autre. Hop, là, il y a encore un coffre. Ah, j'aurais besoin d'une pickaxe, moi. S'il vous plaît, une petite pickaxe. Encore un coffre. Ah, nickel. C'est bon, j'ai le minage. J'ai le minage. Et comme j'ai du minerai là-bas... Ok, donc c'est bon. Your follower can... attends, remonte voir. Now mine gems seems found in the land. Ok, donc ils peuvent miner les gemmes. D'accord, c'est un autre moyen de gagner des gemmes, en fait. C'est tout simplement de miner. Comme ici, par exemple. Donc là, par exemple, si je mets un totem... Que je fais activer le totem, hop. Et que j'envoie, hop, des pécores de la town. On ne voyait que 4 de toute façon. Ah, un coffre. Je peux pas le récupérer? Ah merde, il est trop loin. Je peux déplacer la terre. Ah c'est bon, ça mine. Alors voyons voir les gemmes, si ça augmente. Ça augmente ou ça augmente pas? Faut que je récupère, d'accord. Tout simplement, faut que je récupère à la main. Oh, c'est un peu casse-couille ce truc là, c'est leur système là. Allez, là je peux envoyer des mecs apparemment. C'est quoi, c'est pour le totem? Ouais, ça doit être pour le totem. Bon. Je le désactiverai un peu après. Qu'est-ce qui se passe? Non. Oh putain, il y a eu merde, j'ai recliqué là-dessus, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, hop. Allez, il nous faut du monde. Faut construire, là, faut construire. Faut construire. Non! Hop, voilà, comme ça. Comme ça, hop, allez. On va tout faire à plat. Pas se faire chier. Ça aussi, allez, ça dégage. Tout à plat! Voilà, comme ça. Hop, on envoie du pécor. Bon, j'espère que ça correspond pas à une zone malade ou je sais pas quoi ce truc. Enfin c'est... Franchement ça inspire pas confiance mais... Pas vraiment le choix là. Il faut... Il y a de la place ici, on prend la place qu'il y a tout simplement. Parce que là j'ai un peu hérité que de montagne. Ça fait un peu chier quoi. Ça fait un peu chier. Ou alors je fous tout à plat, j'essaierai de foutre tout à plat, ça va me coûter beaucoup de ressources. Là de toute façon l'épisode va se terminer ici, hein. Ça fait déjà quand même pas mal de temps qu'on tourne. Donc la prochaine fois, ouais je pense que c'est ce qu'on va faire, hein. On va tout simplement... Ah il y a encore un coffre là, on va vite faire regarder. De la mythe, hein. Pff, de la viande j'ai que ça quoi. Ah voilà les gemmes. Ah tiens il y a encore du minerai apparemment. Ouais, il y a du minerai. Oh, bah dis donc. Je fais tous. On va en profiter pour... Hop. Comme ça. Voilà. Allez. Allez-y. Le totem, je vais le désactiver. Comme ça, les mecs, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas un souci. Ouais, ça fait encore un truc de mouche, là, et tout. Là. Je sais pas ce que c'est, ça. Wood Hut. Okay. Ouais c'est tout. Donc on, comme je disais, on va s'arrêter là. Donc la prochaine fois on va essayer de mettre le terrain un peu à plat. Hein, ou alors je vous fais ça en off. Je pense que c'est pas très passionnant ce genre de choses. De devoir
bouger l'environnement. Je vais pas vous montrer ça, franchement, ça sert pas à grand chose. Au début du prochain épisode, je vous ferai un petit récapitulatif, je vais y arriver, de ce que j'ai fait, hein, tout simplement aplatir toute cette partie-là, pour construire, hein, aussi simple que ça. Ça va être chiant à faire, je dois vous l'avouer. Donc je vais pas vous infliger ça. Et après, bah, je verrai bien ce qu'on va faire après tout ça. Hein. Tout simplement. Donc voilà, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à me dire si la série te plaît. Et à partager la vidéo avec tes amis. Hein. Histoire 2, ça fait plaisir. N'hésite pas à laisser un petit commentaire si t'as des conseils à me donner. Parce que comme c'est un peu une découverte ce jeu pour moi. J'apprécierais volontiers tous les conseils de joueurs expérimentés. Ça me ferait du bien. Ah, un petit coffre. Petit coffre. Qu'est-ce que c'est? Encore du flint, ok. Bon, c'est pas plus mal. Il manque plus qu'un truc là, puis c'est bon. Donc voilà, c'est Hazard pour Gaming for Fun. Je te dis à la prochaine pour l'épisode 5, si je dis pas de conneries. Et voilà, bah, c'est tout. Bah, à plus. Ciao!